évidemment, le lieu est important, mais effectivement, tu as très bien saisi la ruralité. C'est ces gens qui disparaissent, les derniers Indiens, dont tout le monde se fout. C'est ça qui me parle encore au-delà du lieu, qui n'est pas un personnage pour moi, mais qui est un support à l'émotion. Parce que la nature, la roche, tout, c'est vraiment quelque chose qui transcende l'humain, qui transcende tout ce qui est dessus, quoi, tout ce qui est posé dessus. Et oui, moi, je viens de là. Voilà, je viens de là, je suis né avec ces gens-là, je continue à les côtoyer. Et ils me procurent des émotions comme j'en ai rarement. Quoi. Et j'adore y retourner. Et puis, je suis ancré. Le livre est né d'une seule image, en fait, du premier plan de Raymond Depardon, de Profil paysan. Où on voit un Depardon qui arrive chez ce paysan. Et bon, il neige, etc. Et on voit la voiture et le paysan lui ouvre son portail, mais il ne dit pas un mot, pas bonjour, rien. Et Depardon rentre, on voit la voiture, et il rentre dans la maison comme s'il était chez lui, mais l'autre ne lui adresse pas un mot. Il regarde la télé, il fume sa gitane, et voilà, et tout est dit. Et j'ai dit, c'est pas possible, il faut que je fasse un bouquin avec ça. Donc Grossir le ciel est parti de cette image-là. J'avais que ça, voilà. Et j'ai écrit la première phrase qui n'a jamais changé. Et j'ai déroulé le fil. Mon ambition, si j'en avais une en écrivant ce bouquin, c'était de faire parler des taiseux. Et faire parler des taiseux comme je les ai observés. C'est-à-dire des gens qui disent une chose, qui veulent en dire une autre. Et comme ils ont tous les deux les codes, cette autre chose, ils la comprennent. Mais vous, si vous arrivez là, vous ne comprenez rien à la conversation. C'est en permanence des non-dits, etc. Et ça m'a toujours intrigué d'imaginer les histoires qu'il y avait derrière tout ça. Et quand on remonte un petit peu, alors les familles, enfin, tout était tu en fait, tout était enfoui, voilà, on mettait des couches superposées, ça avait des histoires, des drames, quoi, en fait, des drames shakespeariens, c'est hallucinant. Et donc je voulais faire épaissir, faire grossir les personnages comme ça. Ils ont épaissi tout seuls, ils sont devenus ce qu'ils sont devenus malgré moi. Et cette relation entre Gus et Abel, elle s'est vraiment nourrie d'elle-même. Mais je ne savais pas ce que j'allais en faire au départ, hein. Du tout. Hein. J'y ai mis mon vécu, ce que j'ai vu. Il n'y a rien que je n'ai pas vu ou que je n'ai pas vécu dans ce livre.